Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une revue swatch sur des rouges à lèvres liquides parce que c'est vraiment ce que je porte le plus souvent et ce que je préfère en fait. Et donc je vais vous parler des Melted. Je sais qu'ils sont sortis depuis un certain temps, mais j'avais envie de vous en parler quand même parce que c'est vraiment mes chouchous. Donc je voulais vous parler aussi des nouveaux souffles de velvet de chez Bourjois qui viennent de sortir qui ont des teintes printemps-été. Donc je voulais vous en parler, ce sont eux des mats, des brillants et les mats, et que j'aime aussi beaucoup, donc voilà. Donc c'est parti pour les swatchs et puis le reste de la vidéo, à tout de suite. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands. Now I'm all confused, turning. Je trouve que ce sont vraiment des très beaux rouges à lèvres liquides. Donc c'est des rouges à lèvres qui ont une longue tenue. Et ça que j'ai vraiment que j'apprécie. Et puis on a l'impression vraiment de rien avoir sur les lèvres, d'avoir juste un baume à lèvres. C'est ça c'est vraiment ce que j'aime. De même pour les velvettes, les souffles de velvettes, parce que en plus de ça, moi j'ai tendance à avoir des lèvres qui sont très vite gercées. Et du coup, les rouges à lèvres liquides, c'était pas très bien pour moi. J'en avais essayé plein. J'ai essayé les slick, j'ai essayé les Etam cosmétiques, j'ai essayé beaucoup de marques
de rouge à lèvres liquide puisque c'est la grande mode en ce moment. Et pour la plupart, ils me desséchaient les lèvres et du coup, j'avais vraiment un problème de lèvres gercées, c'était vraiment atroce. Et puis en fait, j'ai découvert les velvettes et puis pas les velvettes telles qu'ils sont à l'origine de chez Bourjois parce que je les aime pas énormément ceux-là. Je trouve qu'ils sont très difficiles d'application alors que ceux-là, les souffles de velvettes sont vraiment hyper faciles à mettre. Ils sont texture veloutée donc c'est hyper hydratant et franchement ça n'assèche absolument pas les lèvres pour des rouges à lèvres mat. Et donc franchement je vous les conseille beaucoup ceux-là, ils sont vraiment top. Donc moi j'ai le numéro 5 et le numéro 3, mais de toute façon vous aurez tout en barre d'infos. Franchement je les adore vraiment. Pour revenir en melt-tête c'est pareil, eux ils sont ultra brillants, ultra colorés, ils ont tous une couleur très très intense et c'est ça vraiment que j'apprécie dans ces rouges à lèvres liquides. Voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez les rouges à lèvres liquides et si vous en portez et puis lesquels que vous aimez. Et puis si vous aimez aussi les Too Faced, si vous connaissez les velvettes, etc. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner juste ici si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.